75e prise, action. J'ai oublié mon texte. 97e prise, action. I did not hear her. It's not true. It's bullshit. I did not hear her. I did not. Oh, hi, Mark. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles pas? Je m'imprègne du personnage. Bonjour à tous, ici Mister Cube pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, nous allons parler de The Disaster Artist, réalisé, produit, et qui a comme rôle principal James Franco. We're gonna make this thing? We are going to die. Together. L'histoire raconte donc le personnage de Tommy Wiseau, sa rencontre avec Greg Sestero, qui deviendront par la suite son meilleur ami. Un jour, il décide de s'installer à Los Angeles pour tenter de faire carrière d'acteur. Les choses ne se passeront pas comme ils l'entendent, ils auront du mal à trouver du travail, à avoir des rôles importants. Un jour, il décide de réaliser un film qui deviendra ce qu'on connaît, The Room, l'un des plus gros nanars de l'histoire. What a story, Mark. C'est un film qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, outre le fait que James Franco avait gagné le Golden Globe, mais qui par la suite n'a pas été nominé aux Oscars à cause des scandales sexuels, d'harcèlement et tout ça, donc ce qui fait que ça l'a un petit peu éjecté, et c'est dommage parce que je pense que s'il aurait été nominé, il y a de grandes chances qu'il aurait gagné, mais ça on y reviendra par la suite. Il y a eu aussi un problème avec les scénaristes qui se sont plaints, que leur travail n'avait pas été respecté. Le film se veut aussi une grosse critique du cinéma hollywoodien et de l'industrie en général. On voit dans le film un film qui essaye d'être bien, mais qui est mauvais. Et ça se voit à cause du jeu d'acteur plus qu'improbable de Tommy Wiseau en particulier et de la mise en scène. Dans l'ensemble, c'est un film peut-être qui marquera pas autant, mais dont je suis content de l'avoir vu parce que j'ai beaucoup apprécié le film. Filmé du point de vue de Greg Sestero, dont le film s'inspire beaucoup du livre qu'il a écrit, mais conscient de la portée assez limitée de son matériau d'origine, James Franco tente d'insuffler une université dans l'histoire et pas juste de montrer le tournage de The Room, ce qui deviendrait plus une sorte de making-of ou de documentaire. En fait, il décide un petit peu de montrer Tommy Wiseau comment il est dans la vraie vie, donc pour s'adresser à un plus large public, mais au risque de perdre, de rien apprendre de nouveau aux fans inconditionnels du film en fait. Je ne pense pas qu'il faut avoir vu The Room pour comprendre The Disaster Artist, après je vous conseille The Room si vous voulez rigoler un bon coup, mais c'est quand même intéressant de voir le film avant pour en savoir un petit peu plus sur Tommy Wiseau. Et comme il le dit si bien, c'est vraiment un mec qui vient de la planète Wiseau et qui vient d'un autre monde. C'est un personnage à la fois assez intrigant et fascinant à la fois. Et c'est aussi intéressant car certaines scènes sont vraiment retranscrites à la perfection. Et c'est vraiment sympa de voir comment c'était sur le tournage du film pour un petit peu comprendre les motivations de Tommy Wiseau. La mise en scène se focalise beaucoup sur cet étrange être dont l'équipe se demande vraiment d'où il vient en fait. Au niveau des acteurs, bien sûr, James Franco est impeccable en Tommy Wiseau. Et comme j'ai dit, s'il aurait été nominé à l'Oscar, il l'aurait gagné. On a aussi dans les seconds rôles Dev Franco, son frère qui joue Greg, qui joue bien, mais c'est vrai que son perso est un peu ingrat parce qu'en fait il est plus là en tant que spectateur, il est plus là genre, oh il y est Tommy Wiseau, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui? On a Seth Rogen qui joue l'assistant réalisateur, on va dire, qui s'en sort bien. Alison Brie, c'est dommage, c'est une bonne actrice, mais son rôle ne sert pas à grand chose. Elle joue la copine de Greg et c'est pas plus que ça. Et on a des caméos plutôt intéressants. On a Bryan Cranston, ça fait toujours plaisir de le voir. On a Zac Efron, qui tu le vois deux fois à l'avant-première, à la fin. Et la scène où il tourne, en fait, il joue. Il incarne le personnage, un acteur qui incarne la grosse racaille qui demande du fric dans le personnage de The Room. Et la scène est géniale. Zac Efron, tu le vois deux scènes, mais il est juste excellent. Et même, bien sûr, un petit caméo de Tommy Wiseau, resté pendant le générique de fin. Hein, voilà.
c'est pas un film Marvel, hein, mais c'était quand même au générique de fin. James Franco retranscrit bien Tommy Wiseau, sa manière de bouger, de parler, de se comporter, son aisance en fait. James Franco ne joue pas Tommy Wiseau, il le devient. Et il s'en donne un corps joué pour incarner ce cinéaste raté, mais fascinant. Même minimaliste dans sa mise en scène, en fait le film assure une dimension méta, d'où l'aspect comique très présent. Et malgré tout, le film arrive à se poser la question sur son propre média. Par exemple, quand tu vois Tommy Wiseau qui constate le désastre qu'est son film à l'avant-première, où lui pensait faire un film bien sérieux et que finalement tout le monde se fout de la gueule de son film et accepte le fait que The Room devient un chef-d'œuvre du nanar, quoi. Il y a des scènes qui m'ont beaucoup fait rire, je pense en particulier par exemple à la scène d'ouverture où tu vois d'abord Greg qui fait une scène avec une fille, je crois qu'ils sont en entraînement de théâtre, un truc comme ça, et qui galère. Et d'un coup tu vois Tommy qui veut faire une scène et qui commence à gueuler, à faire n'importe quoi, Stacy, un truc comme ça, et qui grimpe dans l'escalier, qui tombe et fait regarder, c'est ça, être acteur. Où il récite même pas de texte, où je pense en particulier aussi la scène, la fameuse scène où ils ont fait la high mark, où au bout de la 60e, il galère, il se souvient toujours pas de son texte, et t'as Greg qui débarque, il fait tiens, je te donne cette bouteille, comme ça tu la jettes et tu seras un peu plus énervé et tu seras dans l'émotion. Ou par exemple, où Greg, lors d'une scène où il lui raconte un truc quand même assez sérieux, et il est là, what a story, Mike, et tu fais. Mais c'est pas drôle, pourquoi tu rigoles? C'est où, bien sûr, la fameuse scène où il s'en va en l'air avec sa copine, enfin, c'est, la prendre par le nombril, c'est du sexe, donc. C'est du sexe alors, hein? Qu'est-ce que je te dis? Je vais essayer, au revoir. Gianfranco arrive à ne pas aller plus loin dans la caricature, car il sait s'arrêter au bon moment, justement au moment où il constate que la gloire et la folie qui a amené The Room font l'éloge d'un cinéma qui se perd. Celui d'un cinéma fait par des gens qui sont passionnés, voilà, qui font un film pas forcément pour avoir des Oscars, mais qui font du cinéma parce que ça leur plaît. Voilà. Et n'oubliez pas, on ne rit pas avec un nanar, on rit d'un nanar. C'est toute la différence. Tommy Wiseau, comme Ed Wood dans son temps, sont juste des passionnés qui, malgré leur talent douteux, veulent juste faire du cinéma et amuser le public avec des films à la qualité plus que discutable. Voilà, cette critique est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao! C'est terminé. Ouf, enfin je peux enlever ce truc de merde là, tout ça pour faire cette vidéo à la con et ce film pourri de James Franco. Tonight. Oh, hi, Mark.